tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures de Immortal Phoenix. On s'était laissé ici pour aller par la Poséidon dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça, il est par là. Il va falloir passer sur les îles ici. Alors déjà, comment je vais faire comme ça? Il y a plein de choses à faire, mais j'ai pas retrouvé la main correctement sur peut-être un peu plus là, puis rejouer en fait. Un peu tout seul. Par là, Poséidon. Eh oh, je t'ai rampé, moi. Je m'en vais. Je vous laisse tranquille, là je vais juste aller voir Poséidon. De toute façon, quoi qu'il arrive, on est obligé de recommencer le jeu un peu au début pour prendre un peu de temps. Comme ça, c'est un peu plus cher à rembattre tout de suite. Je pense qu'il faut qu'on débloque comment dire. C'est pas bon. Oh non! Ah, quoi que. On dirait un sanctuaire consacré à Triton, le fils de Poséidon. C'est Poséidon qui l'a fait? J'ai du mal à l'imaginer se préoccupant de quelqu'un d'autre. Il n'a pas l'air blanc-bleu, mais je suis sûre qu'il a plus de profondeur que tu ne crois. Des jeux de mots marins? D'accord. Mais où vas-tu chercher ça? D'accord. Pas par là. Il faut que j'aille dans quel sens? Je te dis faire une pause, c'est reparti. Ah bah non, c'est bien de l'autre côté du coup. Mince. Je sais que les dieux ont leurs problèmes aussi, mais les gens souffrent des agissements des dieux. Vous le savez, n'est-ce pas? Je suis désolée. Non, je ne parlais pas de toi. Je voulais dire pourquoi les dieux laissent arriver toutes ces choses. C'est compliqué. Oui, je m'en doute. Mais les mortels ont des vies compliquées eux aussi. Et puis à la fin, ils meurent. Oui, c'est beau, hein. Allez, on lui parle. Ah, te voilà encore, toi. Tu as tout ce que je t'ai demandé? Oui. Des plumes de poulet, des fleurs écœurantes et des vêtements étrangement huileux. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais un jour offrir à un dieu comme toi. C'est cela, oui. Gamine, tu es extra. Allez, passe-moi tout ça. Il est temps que j'imprime mon génie créatif à ces matières premières. En attendant, si tu partais à la nage voir ce que mijote Hadès et les autres. Eh bien,
Je peux aller les voir à ta place, mais je ne sais pas nager. Pas nager? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tâche de parler dans un grec ancien plus compréhensible. C'est qu'on ne m'a jamais appris. Oh, mais je peux arranger ça. Ok. Grâce à un iota de mon pouvoir, tu vas pouvoir fendre les vagues comme un truc qui fend les vagues. Enfin, quelque chose qui se déplace très bien dans l'eau. Un navire? Un poisson? Toi? Il y a tellement d'exemples dont tu aurais pu te servir. Oui, oui, oui. Allez, va faire des longueurs pendant que je m'occupe de ces matériaux. Ça veut dire que maintenant, je peux nager. Ah. Ça, ça va faire du bien, parce que c'est vrai que ça manquait, vous savez nager de base. Persuader les vieux à regagner l'Olympe 3 sur 4. Excusez-moi. Non, par là, il n'y a rien. On va regarder notre... On peut pas regarder notre carte ici? On peut pas remonter les cascades, je suppose. Là maintenant je peux regarder ma carte. Oui, donc il y a ok, faut que je l'améliore quand même. Ah, là je vais pouvoir mettre une couleur de plus. J'ai vu que je l'avais débloqué en haut. On voit pas que c'est barré, vous avez vu là, c'est barré, clac, 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 là c'est pas barré. Et pour ça, il faut aller... Oh bah tiens, il y en a un ici en plus. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Ok. Sauvegarder. Trompe la mort, je crois que j'en ai plus de ça. On va faire 3. Ça c'est pour faire une offrande, permet de reconstituer la santé. Oh non. On va aller au cadeau héroïque, donc ici. Ah oui, celui-là. On va l'équiper avec un verre. J'aime bien mettre une de chaque couleur. Ici, il y a tout, une de chaque. Là, c'est bon. Tout est bloqué. Ok. Ah, ici. Il me manque un rouge. Allez, je te mets du rouge. Le rouge, ça fait 6%. Du bleu, j'en ai. Par contre, j'ai pas de violet. Reconstitue 100% d'énergie. Non, on va mettre un violet, du coup. On peut mettre que 4 couleurs, on peut pas en mettre plus. Ici, c'est pareil, il m'en manque un. Le
Bleu orange lait. Augmente un fragment. Vert gelé, bleu gelé, violet, ça fait quoi le violet? Fouille 5% plus un ingrédient supplémentaire. Ah non. Non. On va prendre le rouge, un fragment. De santé, c'est important. Les autres, tout est bon. Maintenant, celui-là. Débloquer les trois. Alors, on va prendre celui-là. Ah, on peut. C'est quoi ça? En cas d'utilisation, probabilité de 10% de reconstitution de 200 fragments d'énergie. Ça vaut le coup. Et celui-là. Critique augmente des dégâts de coups critiques. Augmente l'énergie maximum d'un fragment. Ça, c'est intéressant. Parfait. Donc là, on est bon. La forge. On peut rien faire à la forge. Non, apparemment. Déplacement rapide. Alors, la prochaine mission, c'est quoi? On en a plus? Les quêtes X. L'autre frère. Aussi puissant que la mer et aussi bête qu'un caillou. Oui, on a encore deux missions en fait. Ne plus suivre. On va sortir de là. On aurait pu enregistrer quand même. Juste vite fait en cas où. On sauvegarde. Voilà, ça coûte pas grand chose. Et maintenant. Alors, sur la carte normale, il faut aller où? Nous, on est là, mais... Ah mince. Il y a vraiment du buggy, ce jeu. Celui-là, il n'est pas fait. Crypte inexplorée. Il n'y a pas beaucoup de cryptes hein, dans ce niveau. Bon, écoutez, je vois pas. Hein. On va peut-être le voir après. Hein. Chercher le caillou ici. Il nous manque un pouvoir et après on va pouvoir refaire. Allez, il n'est pas du tout indiqué. Sur 4, oui, je suis d'accord, mais j'aimerais savoir où aller, quoi.
Je sais pas. Ah oui, ils viennent tous à la charge à côté de moi. De grimper partout. Un soleil. Oh là, c'est énorme. C'est quand même beaucoup, hein. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Ça y est. Eh ben dis donc. C'est quoi, c'est un champignon? Oui, c'est un champignon. On va aller faire dévoiler la carte ici. Hop, Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Ah, ici, il y a quelque chose à faire. Cet hôtel semble relié aux dieux perdus. Ramenez-les tous sur l'Olympe pour les apprendre davantage sur cette offrande. Ah d'accord, faut qu'on les ramène tous avant. Très bien. Ici, je pense qu'il y en a aussi que j'ai pas découvert à l'intérieur. On a du mal à voir les îles quand même sur les côtés. On les voit pas sur la carte. La petite carte en bas. Évidemment, c'est de l'autre côté.
récupérer. Est-ce que je peux récupérer ici? Il y a quoi? C'est pas trop de Poséidon et dire admire ça. À faire ici. Oh, c'est avec les flèches, j'aime pas les flèches. Alors, on pense par où cette épreuve? Il y a une boule ici, ok. Ah bon, on la commence là, voilà. Tout simplement, allez. Petit caillou là-haut, je sais pas pourquoi. Celui-là. On n'a pas un autre. Non. On n'a pas été assez lourd. Pourquoi il n'est pas sur le... Je ne peux pas le mettre droit. Celui-là, non. J'essaye de trouver le bon bouton parce que je suis toujours autant perdu hein, avec les boutons. Déjà là-bas, il y a un caillou. Pas de pierre. Ah, là-bas. Je vois pas ce qu'il y a dedans, mais on peut prendre ça. Mince, hein. Comme ça. Okay.
en manque encore un. Celui-là, on peut pas le prendre. Non. Regardez autour. Je te demande pas de grimper. Je te demande de voir s'il y a autre chose. Apparemment. Il n'y a pas d'autre mur. Il manque un caillou. Quand même, mais bon. Ça coûte rien d'aller voir. On a passé une fleur. Non. Non. Ici. Non plus. Apparition de nuit. Oh non. Arnaque. Même mon poids, même avec mon poids, ça fonctionne pas ici. Quoi, je viens de le voir? Non. Je crois que j'avais vu, mais non, c'est la décoration. D'accord. Pourquoi ça fonctionne pas? Merci. On peut pas l'attraper, la grosse pierre. Avoir trouvé. On va mettre les deux petites pierres avant. Donc, ici. Parce que les deux grosses pierres, on peut les bouger. Les deux petites, pardon. On peut les bouger. Hop. Tout pour manquer kiné, hein. Celle-là, on la pousse. C'est juste pour faire pousser celle-là. Du coup, je reviens là. Je prends ça.
Je jette. Là, c'est ouvert, ok. On va y arriver. Je désespère pas. Ok, faut ramener le gros caillou, la grosse pierre là. Y arriver. Là, on prend. On monte. Et oh là 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 là, j'y crois pas. Mais si. C'est vrai. C'est pas mal. Je vais faire autrement. Je vais me mettre là. Ça marche pas. On peut pas l'attraper comme ça. Allez, pousse. On peut pas l'attraper. Il y en a plusieurs à faire, non? Là, il y en a pas. Pas d'autre. Alors, je dois être aveugle, il doit en avoir un autre que j'ai pas vu quelque part. On n'a pas vu au début. D'accord, il n'y en a pas au début. Oh non, je l'ai loupé. Oh, là-haut, c'est une statue, il n'y en a pas. Ah, d'accord. Voilà.
Voilà. Et du coup, on a le coffre. Parfait. Nouvel équipement, couronne marine. Alors ensuite, moi, je voulais aller où? Je sais plus. Fait tellement de pauses que du coup je sais pas combien de temps je joue là. Mon kikine, on va se mettre cette belle couronne. Donc j'ai visité tout ce coin là. Il faut que j'aille par là. Je sais plus si je peux faire. Non, je peux pas faire des marques. Je confonds avec Zelda. Là. Là, je suis dans le bon sens. Oui. Sens, mais je vois pas de deal pour l'instant là-bas. Ça y est, je le vois sur ma carte. Ok. Le 7, le grand monstre marin, qui a aussi été l'animal de compagnie de Poséidon. De compagnie? Waouh! Ça ne devait pas être simple de le sortir premier. Il a essayé de dévorer Andromède une fois, mais sinon... Oui, c'est un bon chien-chien. Dieu! S'il vous plaît, veillez sur moi. Voilà, je m'amuse à découvrir un petit peu, hein, comme ça. En même temps, j'essaye de récupérer, de voir où est mon dernier dieu, là, mais je le vois pas. Hein. J'ai vraiment dû avoir un bug, donc ça sera au prochain. Là, pour l'instant... Je continue de dévoiler. Hop. C'est beau quand même. Hein. Il y a des boss là-bas. Regardez l'entrée de ça, j'ai réussi à passer sans qu'on me voie. À quoi ça sert ça? Ça va me ramener sur une autre île. Ça ne marche pas, pour l'instant. Petit coffre. Essence de terre. Donc là, on se trouve sur les petites îles ici, ok. Il faut qu'on reparte ici. Du coup, il faut que j'y retourne. Hmm.
Je crois qu'il y a un coquillage là. Ça, c'est des choses à prendre. Oh non. J'en ai marre de me battre. C'est vraiment le gros défaut du jeu. Il y a trop de combats. Si on les écoute, on fait que ça quoi. Combat, combat, combat. C'est vraiment le but de ce jeu. Hein. Bon, tous ceux qui aiment les combats, il n'y a pas de souci. Vous allez kiffer ce jeu. Moi de base, j'aime pas trop les combats. Bon, là, dans Immortal Phoenix, ça allait encore. Mais ce DLC. Oh, c'est la catastrophe quoi, il n'y a que ça. Encore ça serait un petit combat, mais dès qu'on en tue, hop, on a toujours carré. Non, c'est pas bon. Je crois que c'est par là. Attendez. Ouais, c'est ça. En haut ou il va se trouver en bas? Ou à l'intérieur? Je pense peut-être. Peut-être en haut. Non, on est arrivé. C'est une arnaque là. Je pense que c'est en haut en plus. Hein. J'ai pris 3, donc je vais essayer une fois si je vois que. Ah, le problème c'est qu'il veut pas. Une fois que je suis en haut, il veut pas. Il s'est passé quoi là? Pourquoi je suis mort? Peut-être avoir des choses à faire ici. Il y aura un coffre. Ok. Je vais dévoiler la carte moi. Ok, c'est juste des cubes à récupérer. C'est simple à faire. C'était où? C'était là.
Ok. Ici. Voilà. Ici. Ah bah oui. C'est une plume. Là, je vais mettre un... Faut pas rester appuyé dessus, faut juste poser, c'est pour ça que j'y arrive pas. Voilà, petit coffre, comme ça c'est fait, celui-là. Nouvel équipement, tenue des tonnes. Tenue d'automne, pardon. Voilà. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. Parfait. Maintenant, il faudrait aller découvrir celle-là et comme ça, la prochaine fois, on se laissera. C'est par où ? Bonne question. Mince. Si je regarde dans ce sens-là. Non. Si je regarde dans l'autre sens. Non plus. Par là. Oui. Ok. On peut pas se téléporter plus près. Donc, allons-y. Hein. En plus, il y a. Ça, mais je sais pas où ça va m'amener. Ah d'accord. Ah oui, l'objet il bug là. J'ai vu, on fait des arrêts entre deux. Donc là, rien à voir, je suppose. Bah non, je m'éloigne. Ok. Ah, on retourne là-bas, voyons. Franchement, je vais faire tous ces trucs là pour le moment. Ça se
se mettre ici. Alors, ici, je suis parfait. En plein dedans, il y en a un là-bas. J'ai vraiment pas envie de faire tous les combats. Hop là. Dieu, s'il vous plaît, veillez sur moi. On débloque. Ah bah tout. Ok. Je pensais qu'il y en avait au moins deux à faire. Mais non. Très bien. Donc comme ça, la prochaine fois, quand on va relancer le jeu, on aura peut-être... aussi puissant que la mer et aussi bête qu'un caillou. Où on saura où il faut aller. Parce que là, on sait pas du tout pour le moment. J'enregistre. On sauvegarde. Et comme ça, la prochaine fois, je vais relancer mon jeu. Et en espérant que tout ça c'est bien fait quoi. Je regarde juste vite fait les cadeaux héroïques. Non, la forge, il n'y a toujours rien. Insuffisant, ça je sais, mais ah, c'est les diamants violets qui me manquent. C'est beaucoup les diamants violets. Les diamants violets, je sais plus comment on les a. Éclat diamant violet, éclat sombre que l'on ne trouve que près des failles qui accablent cette contrée. Des failles, donc c'est les... C'est... Si je me trompe pas, les failles, c'est tout ça. C'est les cryptes, je pense, ou alors c'est ça. Non, ça c'est la lave. Donc je pense qu'il parle des cryptes. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, ça sera la prochaine fois. Il y a une crypte ici qu'on n'a pas fait, une crypte ici. Peut-être qu'on les fera la prochaine fois si on trouve pas le Poséidon en fait. Hein. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Je vous dis à très bientôt